100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel, touche pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe mue pourtant éviter des baffes. Quand je tombais dans le panneau de charrette et chariot, le roi pourtant fut bien le roué. Le François devint le français et Molière mit aussi un Y à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquées. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes. Quand du tréfonds de ma détresse, j'oubliais toujours l'esse. Croque-monsieur et tire-bouchon n'ont plus besoin d'un trait d'union. Croque-madame et tape-cul n'en auront plus non plus. Contre maîtresse et contre foutre, eux-mêmes ne pourront passer outre. Entre cuisses et entre chats, n'ont pas non plus le choix. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes. C'est les cuisseaux et les levrons qui me rendent des marteaux. Faudra aussi laisser quimper dans nos chères onomatopées ce trait unissant froufrou, yo-yo, ping-pong, trou-trou. On pourra souder nos blue jeans, nos ossobucos, nos pipelines. Vadémé comme ex-voto feront partie du lot. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité les baffes. Mettre un T au bout de la part, que n'avais-je fait là? Et quand malgré nos vieux réflexes, on posera plus nos circonflexes sur maîtresse et enchaînée, on fera un drôle de nez. Mais les générations prochaines, qui mettront plus d'accent à chaîne, jugeront que leurs aînés les ont longtemps traînés. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes, depuis qu'un L vient d'être ôté à imbécilité.